La délégation gouvernementale s'est rendue dans la même journée du mardi 30 juin dans l'arrondissement de Naogon, toujours dans la commune de Kovin. Le même exercice a été fait. Les cadres à tour de rôle et secteur par secteur ont exposé les actions menées par le gouvernement de la rupture aux populations de Naogon. Et dans le cas judiciaire, je dis, il y a comment tomber. Mais il me dit, c'est le moins. Il y a encore un état. Il y a un tableau, il y a un tableau. Il y a aussi un tableau, il y a un tableau, il y a un tableau. Il dit, il y a un tableau, il y a un tableau, il y a un tableau. Il y a un tableau, il y a un tableau. Il y a un tableau, il y a un tableau. Il y a un tableau, il y a un tableau. Il y a un tableau. Oui, j'avais fini là, il a fait une bonne vie. À moi, vous avez fait une bonne vie. Vous avez dit qu'on venait, vous avez le comité en plein air. Et le toucher, vous avez fondu. Mais il est jeune. Vous avez dit, il est là-dedans, à son niveau. Parce que les élèves, vous avez des soifs, et n'a pas de vous donner des nourritures. Avez-vous vous fait, mais non? Et non, l'assistance sociale, vous tombez autant. Oye noa, mwen, bono kondo, eske men mo koton, elo veme nou boa. Oye, bo, toto bien anto trete, wè. Oye, ya yo, eno ase, neyo loro, fon indijan seto. O, eno talo, toto pwile nan. A mwen epe diyon, elo, nou yi mwen ave, ou men supporti mo. Ena si wa toto mwen vivo, bono blo promesyon, wè, keka chwe nan do. Nde, a ya kwen ton apwe duwa. Mwen bo meleka lo kate, ton, bono do, e wa toto pwile yo, abini, ela son te wè yo. Ces derniers, conscients de ces réalisations, ont exprimé toute leur gratitude envers le président de la République et ont notifié qu'il reste encore à faire dans leur arrondissement. Ils ont alors fait part de leur doléance à la délégation. Le médecin-chef de la commune de Kovin présent à la délégation et ayant exposé les réalisations dans le domaine de la santé a donné ses impressions sur cette tournée gouvernementale. Je suis vraiment content par rapport à cette tournée de réduction de comptes. C'est vraiment inédite et ça permettra quand même aussi à la population de s'acquérir et de comprendre un peu les actions du gouvernement, d'accord, qui ne sont pas souvent visibles. Faut-il le rappeler, cette tournée gouvernementale de reddition de comptes se tient dans tous les arrondissements du pays.